couper le. Les 1 et 2. Vraiment descendre par ici. C'est celle-là. Je vois la lance. On va y arriver. Ah, c'était pas trop mal dosé cette histoire. Plus de place. Je sais même pas comment on fait les 10 modifications. J'aime pas ce que bobine dégâts. Oui, ça doit être pas pour faire dégâts. Je pense. Pas eu de tuto là-dessus, donc c'est un peu le foutoir. Comprends pas trop comment on se sert de ça. Clairement, l'interface est faite avec le cul. Hein. C'est une horreur absolue. Enfin, j'ai jamais vu ça. Même Skyrim, c'est mieux foutu. C'est dire que. Ça sert à quoi? Pourquoi je peux aller dans modification et cliquer sur rien? J'ai même pas de sous-menu, j'ai rien en bas, à part jeter, je peux rien faire en fait. Équipez-vous de quoi? De comment quoi? Quoi avec ça? C'est quoi? C'est. Ok, y a des points ici. C'est les. J'ai le droit de. Non, apparemment, c'est pas comme ça. Moi, pour moi, ça devrait s'équiper comme ça. C'est-à-dire que j'ai 2 points. Pour moi, j'ai deux. Voilà, les deux trucs. Là. Pourquoi je peux pas m'en équiper? Avoir voulu avoir une explication à ce sujet, mais bon. Je vais devoir aller chercher sur internet. C'est incroyable qu'il faut aller chercher sur internet pour se servir d'un menu quoi. À partir de là, déjà, il y a un échec critique de. Sur la façon dont t'as fait le jeu, hein, quand les gens en arrivent là. Je sais pas.
je comprends rien. Zana peut-être. Modifier arme. Ok, d'accord, c'est complètement con. Très bien, je pense que c'est ça. Ok, c'est complètement con. Voilà. À quoi ça sert de faire deux menus pour ça alors que t'as un menu inventaire dans lequel tu peux faire un sous-menu et équiper ton truc. Idée. À mon avis, le stagiaire qui a fait ça. Faire un truc, ils lui ont fait faire un menu, puis voilà. Ok. Et ça, je sais pas exactement. Juste en maniement. Capacité stockage, augmente la taille de notre stockage d'armes. Ah bah cool, ouais, je peux faire des améliorations. Augmente la taille de votre sacoche de tenue. Ah ça par contre je dirais pas non. Ah je dirais pas non quoi. Le 20 flèches c'est un peu. Voilà. Mieux. J'ai bien récupéré la lance. Récupérer la lance d'Arana. Non. Oui. Cette arme est magnifique. Arana sera heureuse de la récupérer. On doute pas. Sauvegarder là-bas, parfait. Retournez voir Tuck. Plus tard.
Allez, on est bientôt arrivé. Je ne ferai pas cette caméra qui tourne autour du personnage. J'aime bien avoir mon personnage sur la gauche. Droitier, j'aime bien avoir une caméra épaule droite. Le fait que la caméra dévie sur la gauche, c'est un peu désagréable. Loué soit la toute mère, à l'œil est revenu. Avec la lance. D'abord tu as retrouvé Arana, et maintenant tu rapportes la lance. Quand je t'ai appelé à l'aide, je n'étais même pas sûr que tu acceptes de me répondre. Merci de l'avoir fait. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de retrouver ma lance. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. T'étais pas obligé de nous aider, pourtant tu l'as fait. Ma mère t'aurait admiré. Merci, Aloy. Merci pour tout. Et du coup, je peux lui demander une lance améliorée. Quand je pense à ce qu'aurait été ma vie si j'avais perdu Arana... Merci, Aloy. Bonus de dégâts pour la lance. Ah non, c'est bon, en fait, c'est déjà amélioré. Ok. Oui, effectivement, elle est passée un peu en rare. Rapide, une attaque lourde, lente, assez puissante pour renverser les ennemis de petite taille. La lame aiguise une archi de dégâts. Différence entre une attaque lente et une attaque. C'est le cas, ça joue vraiment sur un timing vraiment. Ouais, c'est le même clic, ouais. Pour moi, ça veut dire que l'attaque lourde, tu l'as fait. Et ça appuyait plus longtemps, quoi. Ah, tiens, bon, je sais pas. Soit. Je ne vois pas de quête secondaire. Cœur de la mer, guet de la mer, berceau de la mer. Vraiment, je voulais être. Je pourrais aller voir le marchand, vendre peut-être des trucs. Allez, ça fait pas un gros. C'est un peu l'inventaire, des choses. Balader un petit. Taper un petit sprint.
Je suis pas censé foutre les pieds ici, non? Je sais même pas si j'ai le droit ou pas des... Moi non. Tu vois. Alors c'est juste que personne nous parle en fait quand on est banni. On n'a pas le droit de s'adresser à nous ou un truc comme ça, mais on peut potentiellement peut-être se balader où on veut, je sais pas. Clairement rien indiqué. Hop, bon, personne m'attaque donc. Non, je vois vraiment pas la différence. Hein. J'arrive pas à... Là, attaque rapide. Là, attaque lente. Ah, ce que je pense être une attaque. On a les paramètres, mais... Merci. Commande... Attaque de... Ah! Ah, c'est pas du tout ça, en fait. Alors, ça, c'est pareil. J'ai jamais vu ça dans un jeu, une attaque lente. Plus bon, alors d'accord, très bien. Oui, ah oui, d'accord, ok. Même ça n'a rien à voir, quoi. Effectivement, beaucoup plus lent, mais ça a l'air d'être beaucoup plus fort en termes de dégâts. Karst, qu'est-ce que tu veux? Vendre des trucs, notamment. Les modifications sont inutiles à mon sens. Ça, c'est un petit 5%. Ah, c'est pas génial. Pas 7%. Avec le galard que c'est pour les armures, ça c'est pour les armes. Je vais garder quand même 2-3 conneries. Quoique. Angèle. J'ai rien qui fait des dégâts de gel, donc on va garder. Déchirure, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être la capacité à détruire les armes, enfin les blindages. Ma cliente préférée. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, bonne chance pour l'éclosion. Que la toute mère te bénisse et tout ça. Tout est clair et visible sous la pluie.
Ils font bien de pas me parler. J'ai peur de ce que je pourrais leur répondre. Ok, donc on peut vraiment... On peut effectivement venir dans les villages, mais on est ignoré totalement. On est slash ignore, quoi. Après la rester à sa place. C'est quand même dingue que la paria ne faisait pas pris la leçon. Il est strictement interdit d'adresser la parole à des parias. Il est hors de question que j'adresse la parole à quelqu'un qui a été banni par les matriarches. Non, moi je parle pas au méchant paria. Grosse ambiance. Mais vraiment, hein. Quelle heure, 17h36. Ah, je peux tenter d'avancer un petit peu et puis... Ah, où est-ce que je vais, moi? Pauvre Rust, qui nous attend depuis environ 4 heures. Tu as les flèches de feu? Oui. Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? Bon, Rust, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost. Mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder, toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras? Je savais que tu dirais ça, mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura, je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu... semblais avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus, ça ira. Oui, en effet. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. J'ai porté des lapins à Gratta la Fêlée. Elle a remercié la Toute-Mère, bien sûr. Parce que c'est la Toute-Mère qui lui a donné ses lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seul. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seul. J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit.
Non. Ils ouvrent la porte à une paria? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Et c'est gros. Pas si j'ai franchement hâte d'affronter un truc comme ça. Quoi. Que fait-on? Suivre le chemin de destruction. Ah, c'est à moi de... D'accord. Bah, on va suivre le chemin de la destruction alors. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Comment ça? Ok. Ok. Bon, c'est un dancy, on va s'amuser. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Il sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne l'attrapent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce ne sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas présent. Excès de confiance dans l'air, hein. Pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Mais... Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Je peux le vaincre. Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. J'avance cap pour passer un câble électrique sur le parcours de j'ai pas eu le temps de lire parce que ça suffit. 3 secondes et demie. Bon, je l'écoute en plus, elle en même temps. Bon, je suppose qu'il faut. Oui, c'est gros. Ça a l'air d'être gros comme bestiole. Quoi.
Allez, il est temps de nous provoquer. Il m'a vu. Ok, il a sauté dessus, c'est nimpe. Oh, je m'attendais pas à ça. Il a littéralement explosé quoi. J'ai déjà trop de choses. Mal passé. On part en fait pour ramasser. Ressources, ok, donc je peux pas avoir plus de 20 ressources. Je peux pas avoir plus de 20. Je peux pas avoir plus de 20 stacks de ressources. Je dis, c'est bizarre, j'ai des. C'est quand même vachement plus que ça. Certes, très bien, pas grave. Je peux pas faire des modifications artisanat. Enfin, ça voilà. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Alors. La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Rust est un peu chiant. Voilà, je veux pas être méchant, mais. Loup comme type. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces Dancy, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Je vois pas pourquoi il fallait tout ça, comme tout ce juste pour expliquer ça, mais d'accord. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rust. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh.
C'est-à-dire ? Je te retrouverai quand il sera temps. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Très bien. Ben, je sauvegarde ici. Et je continuerai probablement ce soir. Fais pas style. Fais pas style. Le mec dit fais pas style au moment où je faire une pause quoi. Une pause miam. Enfin, je vais préparer le miam. Enfin, faire une pause, miamer et revenir. Je suis là depuis tout à l'heure. Oh, le gars, il est là depuis tout à l'heure en fait. Il est tel un viewer de l'ombre. Ouais, je travaille, monsieur. Très bien, très bien. Tout à fait, tout à fait. Un moment. Ça stream toujours ? Ça stream toujours. Tout le monde vient au moment où je vais faire une pause, tu sais. Encore une fois, j'étais à tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde se met à parler au moment où je fais une pause. Voilà, oui. Cela dit, j'ai défoncé toutes les quêtes secondaires. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça stream toujours. Je vais pas tarder à faire une pause. Et... Je saurais quoi en faire. J'ai vaincu un dent de scie. Et ma foi, assez costaud quand même. Et ben moi, le mail que j'attendais depuis moins d'une semaine est arrivé. Le mail ? Ouais. Ah. Non, c'est bon, il est même inscrit. Je commence le 1er septembre. Tu te mets de quoi alors ? Je le dis pas. Je le dis pas parce que sinon, après, bah, Maxime, il va me piquer l'idée. Il va streamer ça avant. Ouais, mais bon. Ça tease, mais ça veut pas dire. Ça. Oh lolo. Non, allez, je le dis parce que je suis vraiment un mec sympa. T'attendais un mail ? Parce que t'as besoin d'un mail pour streamer un truc ? Ouais. Je sais pas voir le rapport en fait. Mais il troll. Ah non, pas du tout. Instant Gaming, Otherside à 23 balles au lieu de 24. Il est présentement en train. Il fallait vraiment voir le rapport quand même. Non, le jeu m'intéresse, mais j'ai déjà trop de trucs à faire. Donc, et puis en plus, je me dis que tu voulais streamer dessus. Donc, pas de soucis, Momo, y a pas de soucis. Donc, il est bon. Non, mais c'est bon, je l'ai là. Il est en stock sur. Il est en stock sur Instant Gaming et puis il était à. C'est bien! Jean! Bien. Jeté. C'est bon, j'ai le code. J'ai. Code. Ajouté au panier. Ah! Il fait le malin lui là-bas. Attaque à distance. On va utiliser un code de dégâts. Sur Steam, c'est dans jeu, activer un jeu ou activer un produit. Ah oui, jeu. Activer un produit. Merci bien.
tu vois, j'étais pas sûr de... pas sûr de savoir s'il allait m'intéresser ou pas, du coup si tu le prends c'est cool, je pourrais... voir... maintenant... un peu meilleure connexion par contre. Ouais, oui, bah oui, c'est vrai que t'étais bon en ce moment... Et après mon entretien téléphonique d'hier, il y a SF qui m'a envoyé un questionnaire. Je me suis pas lâché. Alors on t'entend super mal, Momo. Ah, c'est normal, je suis en train de télécharger. Ah. Ce serait vraiment bien si on ne cherchait pas. T'entends. Le mec dit qu'il fait une pause mais il continue de jouer. Rapprocher. Ça, je suis directement sûr. Bon, et eh ben je laisse le téléchargement. Bon, à tel moment. Toutes. Mais y a pas de feu de camp en fait. Oh tristesse. Je vais pouvoir sauvegarder juste avant. Iris, ce n'est pas le cas. Là-haut. Ah si, regarde, y a un petit camp là-haut. Parfait. Et ben voilà. Et ben c'était pas mal, ça fait une bonne session. Je vais. Je suis en même temps que je parle et du coup des pauses dans mes paroles. Ouais, je vais couper ici. Je reprendrai ce soir. Je sais pas si je jouerai à Horizon. Je verrai. Quelques viewers, ça allait. Bon, après, en dimanche après-midi, comme ça, c'est pas forcément là où il y aura le plus de monde, mais c'est quand même sympa. Merci d'avoir suivi ce stream, et puis à la prochaine pour ceux qui regardent.